n'impressionne pas les femmes. Amen. C'est un naturel. Compris? Les gamins d'autres, tu yokani. Tu yokani. Pourquoi il faut baisser sa dot? Hein? Un, il faut kata simba. Deux, appartenance à l'homme famille à Pango. Trois, pour l'héritage na yo, au zina moisi, et comme à bam. Alléluia. Quatre, c'est pour le lieu du sang. Seigneur, merci. Merci pour l'occasion, merci pour l'opportunité, Seigneur. Ce matin, on se rend devant toi pour t'écouter, pour apprendre, Seigneur. Enseigne-nous. La première personne à être enseignée, c'est moi, Seigneur, parce que je suis ce matin comme un canal seulement. Un simple instrument que tu as choisi, Seigneur, pour parler de ta part. Je suis au monde, tu es quoi, Katika Tilangani. Ça me parle maintenant. Je la vie sur. Ta parole déclare, tout passera, mais pas ta parole, Seigneur. Nous tournons et regardons vers toi, Seigneur. Cet homme fait ses cours ce matin. Des souliers que tu es pas une ensemble. Un abri de souma du souverain dans les années. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zambia Pambula. Amen. Alléluia. Zambia Pambula. Amen. Est-ce que m'aider ce matin? Alléluia. Amen. J'ai dit toujours, n'aime pas Sabine, n'est-ce pas? Que vous voyez, bâtir mon tonso, vous vendez la pémeille, vous menez la salité. Hein? Mais qui va dans l'obiné? Amen. Alléluia. Amen. Salue-moi quelqu'un qui est à côté de toi. Tu lui dis bon dimanche. Tu lui souhaites d'abord plein de choses plus que toi. Hein? Tu souhaites ma camouille bien pour les camps. Ce qui est bien, il y a un autre qui a dit ma camouille bien pour les camps. C'est que tu lui parles, tu auras le double. Hein? Bon, je change. Ah! Alléluia. Au son, ma vie, mi balé. C'est que moi, j'aurai quatre. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie ce matin. Amen. Parce que la reine est sainte, c'est la qui est fait, tu es à fête, il y a l'eau là. N'est-ce pas? Amen. Mais ça, c'est l'ironie. Hein? Nous allons passer. J'aime un peu ironiser. Il y a un ami, quand on a nommé le conseiller des chefs, directeur de la conseiller spéciaux, l'autre là, tout ça, il a promis tout le monde dans le campus, non, là, 6. Alors? Elle avait déjà oublié. Dans mon égard, il y a des réseaux sociaux. Donc, photo n'a pas moi. À qui pas où tu étais, cet ami était. Fait par comme le conseiller spécial. Elle a dit vraiment. Elle a dit qu'il souffrait. Mais l'ami qui a publié, il était bien là. Dans ma chérie, il était déjà bien. Alléluia. Mais il y avait un temps. Bien, il y a un moto comme il est l'autre. Et le canateur, il est là avec qui. Mais à l'époque, il ne voulait même pas citer le nom de l'autre. On se connaît. Alléluia. Mais je regarde tellement dans les réseaux sociaux. Affiché dans la photo, il y a des promos. Habit, c'est un ami à moi. Toutes mes félicitations. Nalobia, voilà l'homme. Alléluia. Voilà l'homme. L'homme regarde que ce qui lui attire. Mais ce n'est pas ça ce qui nous fait les hommes. Amen. Ce qui nous fait les hommes, c'est ce que tu as. Amen. 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 Ne te précipite pas, n'est-ce pas? Et nous allons continuer pour nous enseigner un peu plus vite. Alléluia. Je t'invite d'abord, il faut vendre. Tout ça, on va enseigner ma vie sur le banc de la vérité. Un peu plus vite. Enseignement, tout ça. Nous avons évolué. Nous allons voir. Si. Oh mon tabou, il faut manifester. Donc, la conséquence, oh, les gens qui sont sales, pas dans mon trou. Amen. Mais les gens qui tirent origine dans mon quelque part. Donc, il y a une cause. N'est-ce pas? L'église est tellement calme.
Aujourd'hui, nous allons voir deux points. Si le Seigneur permet, on va aller dans le troisième point. Mais les deux points, sous-thème toujours. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir, nous allons parler toujours à couple. Mais si, dans les couples, mais les deux sous-points. Amen. C'est l'importance de payer la dot au mariage. Et l'influence des noms que nous donnons à nos enfants ici du mariage. Tout ça, madame. Amen. L'importance. Yakobala. Dans le vie, Yakobala. Quand nous parlons de mariage ici, nous ne parlons pas de mariage. Mon toit, ma femme va venir au bout de moi, on va lever au nom de. Je parle de la dot. Comme il se comprend bien. Ok? Amen. 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 Est-ce que tout le monde se comprend bien? Amen. Nous allons lire maintenant Genèse chapitre 31, verset 15 à 16. Comme ça, des enseignements, mettez-vous au terme avec des enseignements. Merci. Genèse chapitre 31, verset 15 à 16. Pour tanguer de verset 15 à 16, pour tanguer dans Kombonaïsou. Amen. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers? Merci maman, tu peux s'asseoir. Amen. Landa, est-ce que puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Écoutez, tu cherches quoi les versets? Regarde-moi, tu cherches les versets. Pose-moi la question. Genèse 31. Verset 15 à 16. Au lieu de déranger. Amen. Amen. Reprendre. Nous avons regardé le verset 15. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers? Puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous. Amen. Amen. Et à nos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un. Hein? Mais rien que là, la vérité. Ce qui est la question tabou, Bible fait l'homme la bisou. Ce n'est pas le pasteur qui va parler, c'est la Bible. Amen. Ici, nous sommes en phase. Ou bien, en face de qui? Des personnalités, des catégories. Mon bali na basi. Tout ça, on a. Tout ça, on a. Jacob, na Léa, na Rachel. Lorsque Jacob a travaillé, si vous voulez encore connaître comment est-ce que Jacob a travaillé, nous allons lire toujours la Bible, n'est-ce pas? Il a payé la dot. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la histoire de la dot, je n'ai pas encore eu, mais on a connaissance. Je parlais de la Bible. Il y a mon doigt l'écrit Jacob dans la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jacob, mon zambi a saliti. Le temps de Jacob est accompli. C'est comme ton temps, tu jettes très mal ton. Mais Jacob, le temps est accompli, il ne savait pas. Mais Dieu l'a révélé dans le songe. Il a dit, alors, Jacob, il est venu vers ses femmes pour expliquer, ok. Il faut tout kende. Tout son nom à papa n'a Isaac. Là où
Alors, dans le dialogue qui est là, amen. C'est très important. Même ceux qui se marient, la femme aujourd'hui, bon, ça s'engage que moi, je fais encore mes recherches. Ça engage que moi, il n'y a pas parité. Alléluia. Ça, j'assume, hein? Ça c'est notre débat. Amen. Pourquoi? Écoutez, l'égard de les obligations d'une femme envers l'homme, bibliquement, la femme doit dépendre de son mari. Toujours. Donc, ce n'est pas ni Jacob Montaillé à la décision qu'il y a dans la casse token. Est-ce que toujours quand on a malin? Ils ont enseignement, tout le monde a bien. Amen. Dans la Bible, Basi Moto, Baye Bisi Jacob. Jacob a le bit en aïe, ok, n'a son n'est pas n'a biso. On suppose comme si nous avons aucune mission ou bien va m'aider ailleurs ou bien aucun ailleurs. Mais regardez les réactions de ces femmes. Alors, dit non, est-ce que biso n'est pas au Tosa les sous sous na choix? Est-ce que Tosa les sous sous papa n'a pas besoin d'un droit de colonne à biso? Et nous connaissons les autres kata droit entre papa et Rachel. À pas aller, n'a pas l'air. C'est quoi? La dot. Alléluia. Amen. C'est la dot. Donc là, nous voyons comme la dot a une puissance spirituelle que nous ne maîtrisons pas. Alléluia. Amen. La dot a des effets terribles dans les mariages, dans un couple. Hein? Si tu es là, c'est maté, peut-être c'est pour toi. Il ne faut pas se sentir mal à l'aise. Alléluia. Amen. Il est temps de régulariser. Pour que ta femme t'appartienne matériellement, il faut payer la dot. Spirituellement, c'est très important, très capital. Alors, maintenant, il y a un bisou qui peut occuper au Kenina. Est-ce que bisou le sous dans un anti n'est pas à papa? Est-ce que biso lissous papa qu'on considérait biso richesse ou biso tozana eza ya papa ne biso te. Amen. Amen. Eza ya nani eza oyo zui eza pe ya biso pe o oza na mote na Bible jani tana mo peut-être eza bon mote et ya confier dans la gane moi la Bible. Amen. Je ne suis pas contre les oncles et les tantes. Non, je parle de la parole de Dieu. Non, on répond le verset 15. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers? Oui. Allez-y. Puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Puis allez, bon, on a mis ça. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père. Appartient à nous et à nos enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des premières bénéficiaires, des vendeurs nous en ont de consommer pour protéger les gens. Il faut s'y marier. Amen. 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 Ce que ça a l'air. Hein? Maman, il faut qu'il devoir le passer. Pour les conseils. Pour la prière. Amen. Amen. Alors, comment Jacob a payé la dot? Alléluia. Ici, nous ne voyons pas comment et qui était qui. Non, nous voyons seulement la dot. Hein? La sans globalité. Alléluia. Amen. Genèse, chapitre 29. Nous allons lire à partir du verset 18. Et tout ce qui est. Genèse, chapitre 29. Le bandit, le verset 18. Tout ce qui est. Tout ce qui est. Tout ce qui est. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Alléluia. Amen. Ah, on a le montado fixé. Année, il y a aussi la montre, pas appeler sa dot. Jacob. Alléluia. Amen. Montant pour servir notre dot, dot, il n'y a pas un montant. Il faut être enseigné. Au moins, il y a dot. Papa a volé, non, mais mélangaï à 100 dollars. Oui, n'a un goût, bah, 100 dollars. Bah, tu vas me dire, ma sang, bah, l'œil, bah, que,
Vous payez 500 dollars. Tu t'es marié, tu as donné la dot. Amen. Mon tabale, moi, si na yé na 15 000, 20 000 dollars. Non, mon tabale, moi, si na yé na 50 000. Non, mon tabale, moi, si na yé seulement. Aïe na moua moko. Aïe na dé tabac. Aïe tout qui na peut-être masanga. A comme ya masanga. Mille aïe na moua tout qui cesse. A Bali. Toyo kana malon. Na lingi toyo kana bien. Binonyo so. Bo Bali. Toujours yo kana. Je ne dis pas au niveau du consentement. Je parle au niveau de la dot. Ok? Là, c'est reconnu. Même Dieu, lorsque papa Zimbon, Babimon, ton nimi biloko meme libisou. Et ton nimi le nom abisou à Bali. Azoa biloko apes abisou comme symbole. Tout cas, il a été ni un mapa ou bien il peut être un apesi bango. Afouka, babi, oui. Ok, de beau bota. Comme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, n'est-ce pas que vous avez Rebecca? N'est-ce pas Rebecca? Hein? Vous avez dit Okende, Osa la famille na yo, Obota, Okende Liboso. C'était ça la dot. Allez-y. Et Laban dit: j'aime mieux te la donner que la donner à un autre homme. Reste chez moi. Et verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles firent assaisir comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban: donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Et le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Non, c'est leur coutume, n'est-ce pas? Oui. Ils s'étaient inclinés à leur coutume. On m'a dit que si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez dit que 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 vous avez dit. Et verset 27. Alors Laban répond à Jacob: achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Écoutez, bien-aimé, Jacob a travaillé pendant 7 ans pour son moisien Rachel. Mais à lui, Rachel était, et aux ananis, Léa. Comme il aimait tellement Rachel, il s'est rendu à quoi le matin, poser la question à son beau-père. Pourquoi est-ce que je suis dit? Il a dit: écoutez, mais il a dit. Il y a un homme qui fallait pour la moisson, Yaya. Le quoi, il a dit qu'il faut pas nous aider. Il a dit: quand on a dit que la moisson est en train de se faire, encore, à d'autres, il a dit qu'il a dit là-bas, ça a dit 7 ans. À maintenant, ça a 7 ans. La Bible nous dit: à sali 7 ans, on a dit qu'il est et vanité. J'ouvre une parenthèse. Si quelqu'un t'aime, vous les jeunes filles, alléluia, suivez-moi très bien. Si un garçon, un homme t'aime tellement, à quoi mon ma gamme à mon mouté? Hein? À quoi mon ma gamme à difficulté? Mais quand il voit un homme, il dit: non, papa, il y a une condition pour mon œil. Non! Sachez-le très bien qu'il ne t'aime pas. Amen. Il a un objectif qu'il est en train de poursuivre. Tant qu'on voit un mot, il devient inutile. Mais si un garçon dit: ah, combien, autant, il veut me battre. Parce que quand tu démarres, quel que soit le montant, ce que je veux dire, c'est que je veux dire que je veux dire facilité. Amen. 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 C'est un miracle, un mystère, un terrible dans ma tombe.
explique d'abord un. Amen. Alléluia. Amen. Si tu passes la nuit,
sur la route, si c'est la volonté de Dieu, passe avec elle. Le jour où tu seras élevé, elle sera là. Pas pour se contacter de ton argent, mais elle est là pour te soutenir. Alléluia. Elle sera là qu'il pleuve, qu'il neige. S'il y a des difficultés, elle ne dira non plus que non, parce qu'elle a passé toute une vie avec toi. Elle avait les toits. Tout ce qui arrivera, n'impressionne pas les femmes. Amen. C'est un naturel. Compris? Les gamins d'autres, tu l'as dit? Chut, tu l'as dit? Pourquoi il faut payer ça d'autres? Hein? Il faut kata simba. Deux, appartenance à l'homme de la famille à Pango. Trois, pour l'héritage de yo, au Zina Moissi, et comme à Bam. Alléluia. Quatre, c'est pour les lieux du sang au Katiango. Alléluia. Amen. Amen. Bien compris. Amen. Ça, c'est le premier point. Alors, si tu ne fais pas ça, voilà maintenant, plutôt tout le temps, on conséquence ici. Si tu ne fais pas ça, si tu ne donnes pas la dot, si tu ne te maries pas, si tu n'as pas honoré ta femme, donc, ça, c'est le très bien. Ces enfants-là ne t'appartiennent pas. Pas nos beaux petits bazar à yoté. Moi, si vous avez un bazar à yoté, c'est la conséquence. Comme une répercussion dans la vie à Banawana. Alléluia. Alléluia. Cette plupart des enfants comme ça, ce sont des enfants instables dans leur vie. L'instabilité. Le premier point de la tellement on a des points. Deuxième point, écrivez. L'influence des noms que nous donnons à nos enfants. Vous allez voir comment c'est lié. La vie pasteur. Je n'ai pas dit ça. Mais je te pose la question seulement. Comment va pisa yo? Nani a pisa yo? Papa, maman, ok. Et où t'as une explication à Moussa? Ni. Tu sais quoi? Genèse 29. C'est ce que je disais. Nous commençons par les verset 31 toujours. Chapitre 29, verset 31. Lisons. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Yoka. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Léa, à travers une année, moi aussi à Jacob, pour la paix, ce qui est avara, Rachel. On s'en va, même maintenant, nous sommes dans le collage, Monique, mon bal à Dalai Kolinga, Léa T. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as fait? Allez-y. Et il l'a rendu féconde. Mais à Thierry, ma botte. Tandis que Rachel était stérile. Mm-hmm. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Ah bon? Car. Ruben? Ruben. Ah bon? C'est que Ruben a une explication? Oui. Vas-y. Et elle dit: Père Louis, l'Éternel a vu mon humiliation. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? On dit: Le Seigneur a vu mon humiliation. N'est-ce pas? Donc, ça signifie quoi? Ruben, ça signifie l'humiliation de qui? De Léa. C'est pas bon. Ce seul nom. Alléluia. Nzambe a moni soni nanga. Nanga ba oli nanga te. Azo li nanga leki nanga. Mais atenga ma pota na libumu. Pe a pimeli leki nanga. Nzambe. Ah, kolo. Alléluia. C'est ça l'explication de Ruben. Mon aboevi na e yango. Mon a soni. Masabe makamba soni. Alléluia. Amen. Akosala makambo ya ya soni. A continuer na nguti na mbeto ya papa na e asala pe soni. Eh. Et mani pas. Vous avez regardé sur la bannière, vous êtes comme pas sur la bannière, vous êtes Ruben, son Yohan, et quand la main aille, l'influence de nous.
trouver l'échappement. Pardon, pardon. Donc, on a aucun nom. Ok. Verset 33. Elle devait encore enceinte. À cause du troisième. Et enfanté un fils, et elle dit. Ma beau témoin n'a pas l'habit. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Eh, Bolingo. Asalini. Alinga m'a quitté. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Comment les nani? Et elle lui donna le nom de Siméon. Alléluia. Amen. Vous voyez l'explication. Vous voyez l'origine en haut. Ils ont tiré l'origine en haut. La vie de Siméon, quand il voit ça, elle est attachée avec l'amour. Et vous verrez. Moi, je suis ma matière, tu peux aller belé. Alléluia. Amen. Verset 33. Non. 34. Elle devait encore enceinte. Ah. Et enfanta un fils. Mm. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Bien-aimé, quand tu prends la vie de Lévi, Lévi était attaché à Dieu. Oui. Ce sont les Lévites qui servent Dieu dans leur sacerdoce. Avec attachement. Quand tu prends sacerdoce royal par Aaron, tu verras que Dieu dit, Moïse, mets ces tribus à part. Parce que ces tribus, à l'origine, et ces tribus doivent appartenir à moi. Ils doivent s'attacher à moi. Et ils n'ont pas votre part là-bas. Part n'avant que ses parents. C'est l'attachement. Alléluia. Amen. Alors quand tu viens dans l'église comme ça, comment les mondes dans les mains comme on a essayé, Alléluia. C'est un Lévi. Alléluia. So comme on est bon, c'est un Lévi à tes bisous. Alléluia. Lévi, tu as vu? C'est ça. La tâche. Tiens, verset 35. Verset 35. Elle devait encore enceinte. Et enfanta un fils. A comme une zone à zéni, Père Bouddhi sous moi. Et elle dit, Père Lobby, cette fois-ci, je lui aurai l'Éternel. Malao n'a pas ça ni. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu prends la vie de Juda, quelle vie à Juda, conséquence, c'est la moitié de David. David, il l'aime. Alléluia. Amen. Quand tu vois la vie de Juda, c'est une vie de louange. Amen. Jésus, adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça les conséquences. Quand tu es un enfant comme ça, qui chante, il y a des Judas dans la famille. Amen. Il y a des Judas dans l'église. Ils sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Barra, c'est Wanapé et Zalaka. Est-ce que vous en avez un mal? Amen. Bien, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, c'était le vendredi. Avec tellement somme. La fumée les parenthèses. Amen. Notez bien. Le but de notre enseignement, ce n'est pas pour na critiquer, na dramatiser. Non. Alléluia. C'est pour connaître la cause. Il y a ma cambo désolé la montre n'a pas moyen. Parce qu'il y a des gens qui sont attachés à la réussite. À cause de ça, les cambo monké au comprendre était et réussir. Mais à peine avant nous sous à saler les cambo monké et couper ta caca maquillée au comprendre était. Pourquoi au y a un gars qui était maquillé mais il y a bâtonnier sur toi dans la famille et n'est pas maquillé. Une race, t'es une étoile. Parce que quand tu regardes la Bible en matière, amen. Quand tu dis, je ne suis pas là, je te donne ce même exemple. Tu verras que les trois mages ont vu l'étoile de Jésus qui brillait, n'est-ce pas? Cette étoile brillait, Jésus était encore enfant. Moi, n'a mon pied.
Amen. Amen. Suis-moi bien. Suis simple. Bah mon étoile est au prier la Bethléem. Hier soir j'ai été dans mon amoké. Mais bah comment tu m'as donné? Amen. Merci. Bah comment tu m'as donné? Mais quand tu prends la science, quand tu prends notre expérience personnelle, je n'ai pas vu un roi dans l'âge à moins de 6 mois. Dans moins de noté. Est-ce que quelqu'un vit l'expérience? Qui a vu? Je vais vous l'histoire pour les capitaux. Tout comme je vais l'histoire. Vous avez un empire, vous avez un tout. Le roi a déjà deux mois, il y a un roi. Ils ont déjà. Alléluia. Je dirais même quelques jours de naissance. Et bien, moi, mon étoile, moi, je qualifie étoile, étoile, c'est un roi. Et ça a commencé des problèmes avec l'étoile. Il y a des enfants comme ça qui naissent avec cette étoile. Alléluia. Alors, quand au Kobota ma étoile dans les oubliés, dans les bien élevation, au Kobota ma peine étoile dans les disposés au cultisme. Amen. Les mages, et ils ont dit seulement un roi. N'entendement d'avoir un roi, ils allaient être comme un roi, comme un zambi. Non! Entendement dans ma maison, par moto, par occultisme, tout, c'était ça. Et pour preuve, au lieu d'aller dans les temples, pendant qu'on m'a dit, mais non, ils sont allés où? Voir encore un roi. Est-ce que tout ça, c'est normal? Ils sont allés voir un roi parce qu'ils savaient que le roi qui vient de naître va remplacer celui-ci. Hérode. Alors, Hérode, aïe. Quand tu n'as pas de nini, parce qu'il dit que dans le royaume, il y a un peu de nini. Le colo a beau temps, il sait que tu as un nini. Alléluia. Or, lui n'était pas venu pour Hérode. Non, vous continuez à dire que le colo est Hérode. Ce n'était pas pour Hérode. Hérode a continué à confier, a continué à la jalousie. Bien aimé, il y a des enfants comme ça qui naissent avec cette époque. Maintenant, on avait ça là. Ils ont peut-être pas besoin de disposer. Oh, ma camion a bangou déjà, ils ont un mapé. Pas dans un peu pas ça là. Hier, à quoi bangou, ma camion y a qui? Y a qui? Vous savez que moi, je suis un villageois. Amen. N'est-ce pas? Moi, je ne suis pas qui noir. Au tout le monde, moi, je suis villageois. Alors, mais tu sais, on est internat. Amen. On a 15 ans chez nous à l'internat, on a qui parle les moyens de parle terrible. Surtout que le moitié nous sanga, ça c'est bandou. Amen. Donc, ma boucle là, on a au loup à la solide au kiss. On y avant que j'arrive à l'équateur. Alors, pas qui si on a tout besoin à balle, 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 scientifique, balle, 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 commercial. Ok, vous ici, vous êtes à Kouil, Napon. Donc, viens-moi voir, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, alléluia. Alléluia. Quand vous êtes beau, mon corps. Il y a ta boule, vous êtes bien, 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 vous êtes caractérisé comme on t'a mon épisode à coquille qu'on dit ma jamais yo son cousin en bon papa à colomba toujours qu'à y épicier qu'est pas naïe bon on a eu ça la kiss même si tu réussis pour lui il voit qu'il est fétiche il ne voit pas dire alors bataille boy ce qui a eu un ministère. Oyebi origine na yete kokotia yo matisi ya komi serviteur mais akurande rotage difficile oyebi neni akondi manka baninga na yete kaka yemo alléluia. Amen. Même si tu fais quelque chose il manquera jamais de critique dans les mauvais sens pas dans les bons sens attendez comme mon côté amateur mon qui est malade ya comment on a mouti. Amen. Alléluia. Amen. On passe.
toujours dans le pouvoir, influence à nous. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, comme on a eu avant, mais Dieu, bien aimé, il y a beaucoup de choses où il est mis sur la ville, qui sont en compte tout ça dans le terme. La conséquence, c'est bien les yeux. Nous-mêmes, nous sommes responsables de beaucoup de choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Quand il lit verset Genèse 30, 1 à 2. 30, 1 à 2. Genèse 30, verset 1 à 2. Tout le temps qu'il y a un combo. Amen. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Quand Jacob commit et qu'elle couleur à Rachel. Et elle dit, paix à l'obi. Suis-je à la place de Dieu? Est-ce que nous avons commis un zambie qui t'empêche d'être féconde? On a voyé ou conservé. Amen. Jacob avait la révélation. Tu vas comprendre. Alléluia. Les révélations à Jacob. Jacob a eu la révélation. Chut, la stérilité où tu as 29, 31. Lis d'abord là-bas. On va comprendre les versets. Lis. Les versets 29, chapitre 29. 31. Chapitre 29, verset 31. Verset 31. Oui. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Chut. Alléluia. Amen. Nous avons demandé que Léa était. Ou bien Léa qui était. Et il l'a rendu féconde. Oui. Amen. Oh. Amen. Allez-y. Tandis que Rachel était stérile. Amen. J'ai dit aujourd'hui aux parents, il ne faut jamais déséquilibrer votre foyer en matière de l'amour. Les enfants sont des conséquences des mariages. Quand ils aiment très bien leur mère, les enfants aussi seront influencés par l'amour que tu demandes vis-à-vis de leur maman. Amen. Amen. Mais il y a quoi encore? Comme elle est retombée dans un goût. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sokolingi mama mingi bana pe bakuzala bana moko ba monde ngozolinga bakuzwa model wana pe bana na bakoye bakolinga. Alors na kati ya Bible Dieu tient de l'ordre. Jacob, suivez-moi très bien. Jacob aima Rachel. Mais ce n'est pas Rachel qui a commencé le lit conjugal. C'est Léa. Amen. Na hiérarchie pas dans Zam. Zam a moni Léa. Dieu ne voit pas Rachel. Rachel, c'est ton amour. Tant mieux. Mais ce que Dieu voit, c'est Léa. Et comme il y a eu l'injustice, il y a mon bali kolinga Rachel Ming, Zambé a commencé Rachel un combat. Il y a des causes aujourd'hui. Il y a des causes. Disons, il y a des conséquences et tout ça dans le cause outil musica. Peut-être et cause à canaille. Ici, dans ce point, au moment où il y a un combat, Rachel ou t'es pas. Je ne suis pas Jacob. Et où t'es pas ensemble? Et combat Rachel ou t'es pas ensemble? Yangouana. Le verset au Tangi, chapitre 30, verset 1 à 2, mais ça c'est quoi l'explication? Pardon, lis ça. Mais tu vas comprendre l'origine et la stérilité à Rachel. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Amen. 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 Alléluia. Amen. Et cette histoire, je vous dis, ça a influencé la vie de Rachel, na Léa, na Jacob.
Jacob vers Rachel et Jacob vers Léa. Bien aimé, ça a mis des conséquences. Ils sont arrivés à un niveau où Rachel a payé sa moine année à Moussala. On parle à Biminaïe. Léa a payé sa moine année à Moussala. A Biminaïe. Alléluia. Et Aobotana Bangopé Ban. Et s'il était. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il était. Par conséquent, c'est comme il a niveau que Yaya n'a l'éki. Azako Yokana. Tout vient les conflits. Les querelles. Les mésententes. Famille Mobimbe Yokana Kati. Alléluia. Famille Mobimbe Yokana Kati. Il faut voir la cause. Il faut raisonner calmement. Poser le problème en face. Et Obana Osamela, Dieu va vous révéler beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Bien-aimé, à cause il y a un an, à cause il y a un an où tu as, il y a que Rachel a vécu une vie difficile dans le couple. Mon ami qui malheureuse dans le couple, c'était Rachel. Vous allez voir, vous allez comprendre avec. Que Rachel n'a pas vécu longtemps avec ce mariage. Rachel n'a pas eu beaucoup d'enfants. Rachel a eu combien d'enfants? Deux. Joseph et Benjamin. Alléluia. Amen. Oh. Alors, lis un peu 31, 19. Chapitre 31, le verset 19. C'est ça dans la Genèse. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Awa, tout allé dans la conséquence, il y a division, il y a famille. Et compris comme un maliwa. Et Godine dans mon tour, comme un déprimé. Comme un. Vengeance. Amen. A comme na jalousie, na haine. A mon inéga sangi libala. Connaissant Koutimi, que le roi yaya bali le bosso. Connaissant la vérité, c'est tel qu'il est vrai mari. Vrai moi si. Épouse légitime à Mobali nanga. Que j'en ai yaya. Ma kamanyo nyonso. Et bien, nous avons bouillonné Katikati dans Rachel. Rachel n'a jamais cédé. Ils vont prendre la décision avec leur mari de quitter. Amen. De quitter maintenant là où ils habitaient. Vous avez dit, c'est beaucoup le mot à quel. Alors, tant que vous avez dit, c'est là où le problème a commencé. Rachel s'est vengée. Alors, il y a des gens qui me font un nako. Ils ne sont pas prêts à un nako. Nous, comme ça, nous avons la force de ce que vous avez. Amen. C'est là où nous avons lu. Les théraphines. Donc, ils représentaient comme des petits dieux. Et pas à papa. Amen. Allez-y. Maintenant, prenez verset 31. Toujours. Pardon, chapitre 31, verset 22 à 23. Le troisième jour. On annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche. Combien de journées? 7 journées de marche. Bango baké déjà. Jacob n'a pas toujours quitté. Il n'est pas prêt. Jacob a pini na basine mi balé, na basali na basina e ba poti na bango, na ba travailler na e ba ké.
Parce que déjà 3 jours de marche. Mais là-bas, il y a combien de jours? C'est 7 jours. Pas pour tabac. Réfléchissez bien. Là-bas, il y a 7 jours. Ceux qui ont. Bangoba, qui va salir 3 jours, va t'étendre, mais là-bas, 7 jours. En réalité, Bangoba, qui est tout à l'heure, il fait son calcul, il y a une incompatibilité. Il y a quelque chose dans la vie. Alléluia. Continuez. Et là-bas, la tenue à la montagne des Galates. Puis là-bas, Koutibangou. Mais Dieu apparit la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit: garde-toi de parler à Jacob ni à bien ni à mal. Là-bas atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob: qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? Sautez, dis le verset 35. Le verset 35. Elle dit à son père. Que mon Seigneur ne se fâche point. Rachel a commis quoi sa papa naï. Qu'aussi les cartes pour papa n'a pas mal bandi que tu sautes pour Nathan. Toi tu vas lire le tout. Amen. Maintenant, papa n'a pas mal bien. Il faut n'attendre la moko na moko au Yahshua Babylon qu'on a acquis na yango. Abani qu'on vérifie. Tellement Jacob avait même pas peur parce qu'il avait un Dieu. Faites attention. Déjà comme ça l'Église tout ça là-bas. Tout ça là-bas on se cache. Approche. Vous voyez, la conséquence n'a pas été nulle. Hein? Conséquence n'a pas été rattrapé par le caca. À ta potale, il y a un avancé. Il y a un bateau qui a été mis en place. Il y a un bateau qui a été mis en place. Amen. Alléluia. Jacob a été mis en place. Mais le quoi, il y a un bateau. Na moi si naie, au bazar pour partager naie ma kilabo, non encore. Influence au anezuina Jacob, on l'a rattrapé. Quelque chose que tu avais fait depuis longtemps, ça va te rattraper. Et quoi même de commissaire? Pourquoi vous commissaire? Comment on a raisonnement pour conclure? On conclut. On a mon église et comme il m'a dit. Alléluia. Premièrement, vie à Batou Yaboué. Amen. Alléluia. Amen. Autant une Genèse 31-19. Tandis que Laban était allé tendre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Aïebi. Ok. Aïebi, tu vois qu'il y a une conséquence. Tant que c'est Genèse 35, verset 16 à 19. Verset 16 à 19. Il y a un papa Aïebi à Kenango. La logique, papa Lugi, il y a un moyen de se faire. Papa a vérifié qu'il n'y a pas de bango. Azuité, Rachel a bombé à cause. Tout ça y est comme, comme conséquence. Papa tant azuité, la salle alliance y en a beau fils naé et puis à qui? Tant ou à qui? Jacob a continué vie normale pour la colonne de Gonaï et Saou. À qui na basi naé na ba na croyant qu'il va réussir avec toutes ses femmes? Non. Qu'est-ce qui est arrivé dans chapitre 35? Le verset 16. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Éphrate. Lorsque Rachel a toi, tu crois que notre vie te limite seulement la poste de la paix ici au pot de pluie. Tu as encore une vie devant toi. Alléluia. Toi qui détruis l'œuvre de Dieu en couchant avec des femmes et des filles d'autrui, tu as encore une vie devant toi. Tu es en train d'écouter ta vie. Toi qui mets la. Tu prends les choses d'autrui, tu mets dans ta poche. Tu es en train de limiter ta vie. Alléluia.
caractéristique, comme un comportement de vengeance. Ça n'a jamais payé et tu payeras. Non, non, non. Amen. Est-ce que tu es au Canamaram? Amen. Tu es au Canamaram? Amen. Il y a un autre jour, Kabilo, qui a battu. Il a écouté longévité. Pour cela, il y a un accouchement pénible. Il a fait ça pour accoucher. Et il y a un autre jour, il y a un autre. Il faut avouer. Au salami. Yoba césarien. Au sala. Yoba morné. Merci. Allez-y. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Alléluia. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Après avoir mis au monde Benjamin, Rachel a confié. Atigi Yana. Alléluia. Amen. Parce que Azalaki n'a pas du Moussou. C'est dans la conclusion que nous allons prier. Fermez vos bibles, j'ai terminé. La conclusion, c'est là-bas. Bien aimé. Si tu vois quelqu'un se marier et divorce trop tôt, cause pas cause en moi. Si tu vois quelqu'un se marier à Koufi avant, elle cachait quelque chose. Alléluia. Si tu vois quelqu'un, à la famille, on a longévité, zaté. C'est là où la mort est entrée aujourd'hui dans nos églises. Les jeunes gens meurent pas mal. Je me demande toujours. Ba fétiche tout ba kindoki papa voye zala kana mboka ne ba to ba ka kindoki mboka oui acteur ba pasteur ala ba kindoki non hier mais je suis réaliste, je suis spirituel. Je vais vous dire une chose, pourquoi ba to na ba dire ko comme na ba kolo ba ye ba to ba limite na bien bien mais soko lingu na tena mokili zoe lo papa eh alléluia amen ko zo bo ya ngeni soko lingu ou me la tête. Il y a de l'eau là-bas. Soko lingo melate, zo mo si amu. Zo mo balema. Soko lingo melate, botolanda kwaba. Soko lingo melate, amen. Alléluia. Conséquence, vous risquez de courter votre vie. Évitons cela. Conséquence, après zo bilo kwa na Rachel a dit qu'elle bien aimé, cette famille a vécu troubles des troubles. Tu verras, ça a influencé la vie de Ruben, Lévi, Siméon, tout. Comment des dames envers les deux garçons. Ils n'ont jamais aimé Joseph et Benjamin. Et papa, comme sa femme était encore trop jeune, elle est morte. Papa tellement aimé sa femme et cet amour et répercussions à moi est retombé sur les deux enfants. Les deux enfants sont devenus des victimes de leurs grands frères, tout simplement à cause de leur maman. Alléluia. Ils n'ont jamais connu la paix. Les deux enfants n'ont jamais connu la paix. Ils n'ont jamais baissé à l'époque où Mazikolingabangote. Les deux enfants sont que des victimes de leur mère, victimes de leur papa. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Joseph a fait pour tes camarades? Mimi. N'impressionne pas les femmes. Amen. C'est naturel. Compris? Les camarades de Toyokani? Toyokani? Pourquoi il faut baisser à d'autres? Hein? Il faut 4 Simba. 2. Appartenance à l'homme la famille à Pango. 3. Pour l'héritage de yo aux une moisi et comme à Bang. Alléluia. 4. C'est pour les lieux du sang.